Quand je regarde des films ou quand je lis des livres, si un personnage que j'aime meurt, je fonds en larmes. J'analyse pas les constructions à ce moment-là, je les reçois en plein cœur. Mais ça vous arrive à vous aussi, non? La force émotionnelle du récit dépasse carrément le cadre des soirées qu'on passe devant un film ou avec un roman. Elle est aussi présente dans les récits politiques. Et c'est là qu'elle devient un peu inquiétante, parce que ces récits-là, c'est assez difficile d'y échapper. Je voudrais pouvoir m'arrêter au constat que les livres peuvent m'émerveiller de leur pouvoir, qui est mon pouvoir en réalité. Sauf que j'arrive pas à faire freiner net mes pensées, j'enchaîne sur un dérapage et ça m'emmène plus loin que prévu, et je me dis, attends, si les fictions peuvent construire des ponts, elles peuvent aussi élever des murs, non ?